Pendant 2 secondes, je croyais qu'il fallait affronter, qu'il fallait devoir faire tout le temple. Je me suis dit, ah ouais, donc en plus de tout ce que j'ai fait, il faut que je fasse le temple. Mais on dirait que non. On va pouvoir avancer de chill et récupérer la pierre occulte. C'est un golem que j'avais construit autrefois. Des miasmes. Il est probablement possédé par un monstre. Temple de l'esprit, golem corrompu. On ne peut pas laisser sévir un golem au service du roi démon. Lynn, combat avec moi, je te prie. Ah ouais, mais il est gros, lui. Attendez, je suis pas pris. Oh, mais j'ai plus de vie! Allons-y. Nous devons absolument arrêter ce golem. On ne peut pas briser sa défense. Il faut trouver un autre moyen. Hop. Allez, bouffe! Ok. Je vois ce qu'il faut faire. Oh, je le combote. Oh, oh, oh. Ah bah oui, je me suis pas heal moi. Ok. Allez, mange ça. Tiens. Ok. Allez, petite esquive. Aïe, aïe, aïe. Allez, frappe-le. Deux et trois. Oui, bah ça, je l'ai bien vu, Minero, mais... Oh là, il veut me pincer. Il veut me pincer les tétons. Dégage. Allez, bouge! Ah merde, j'ai perdu mon canon. Ah, mais je peux. Allez, bouge! Ouais, moi j'en ai pas de bras de secours. Ok, je l'ai fait tomber. Ah mais j'ai perdu mon bras.
C'est bon. Oh les dégâts. Bon, il n'y a pas le choix. Hein. Ne te laisse pas perturber par sa vitesse. Mais au moment où il s'arrête. Oui, bah t'es gentil, mais ça se voit que c'est pas toi qui le tape. Hein. Enfin, si, c'est toi qui le tape, mais contrôlé par moi. Allez, allez. Nous y sommes presque, Link. Restons sur nos gardes. Ah, le combo canon plus boule à pique, c'est le meilleur truc, hein. Tiens, mon dos. Non, ça marche pas. Ah d'accord. Ah, je peux taper. Aïe, aïe. Fais attention. Ok, je peux le frapper avec mon arc. Ça, je le savais pas. Et je pense que c'est terminé. Oui, c'est bon. C'est chaud, hein. Eh ben. Et puis on a laissé un beau bazar. Tiens, je vais me réparer vite mes outils. Comme ça, tout ira mieux. Et maintenant, le dos. Réceptacle de cœur. Ce très précieux objet vous permet de récupérer un peu d'énergie vitale que vous ont fait perdre les miasmes. Votre nombre de cœurs augmente de 1. Bien, mais oui. T'as vu? Stylé, hein. Franchement, j'ai bien aimé, même si le combat était compliqué, hein. Je m'attendais pas à ça. Donc j'ai un peu sué et je parlais peut-être pas beaucoup. Allez, un petit cœur en plus. Mais je l'aime bien, ce robot. Alors, voyons voir ce que va nous dire Minerou. Je pense qu'il va nous dire quelque chose de nouveau. Pas comme les quatre autres sages, vu que elle, ben, elle sait ce qui s'est passé. Donc peut-être un nouveau souvenir, qui sait. Je suis le sage de l'esprit, né du noble peuple Sonao.
Conformément au désir de Zelda, je te prêterai main forte. Permets-moi de me présenter. Minero. Nous nous rencontrons enfin, Link. Je te remercie. Si j'ai pu retrouver ma pierre, c'est uniquement grâce à toi et aux efforts que tu as fournis. Ce qui était prévu était que je m'éveille au moment même où tu as récupéré la tablette Prua. Je t'aurais guidé en transférant mon esprit dans ce golem. Mais le sbire du roi démon l'a corrompu, ce qui a contrarié mon plan. Cela ne t'a pas arrêté. Tu es tout de même arrivé jusqu'à moi par tes propres moyens. Ta main, Link. Moi, Minero, sage ancestral de l'esprit, je t'offre mon pouvoir. Tiens, accepte-le, je t'en prie. À partir de maintenant, toi et moi sommes unis par un lien que rien ne brisera. À présent, je vais transférer mon âme à l'intérieur de ce golem. C'est sous cette forme que je combattrai avec toi. Ah, ça fait bizarre de parler à Minero via le golem. Je vivais dans un passé très lointain, à l'époque de la fondation du royaume d'Hyrule. Pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, j'ai dû renoncer à mon corps, et je ne suis plus qu'un esprit. Je m'étais endormi à l'intérieur de la tablette Prua, afin de pouvoir un jour te transmettre ce que j'ai à te raconter. Même si le roi démon en est le véritable responsable, je ne voulais pas que notre rencontre ait lieu si tard. Je t'en prie, pardonne-moi. Bien, passons à ce qui nous intéresse. À l'époque où je vivais, qui pour toi est un lointain passé, Zelda s'est éveillée en tant que sage du temps. Et elle est apparue devant nous. Je vais maintenant te raconter la tragédie qui frappa les terres d'Hyrule. Et comment, après avoir remonté le temps une fois qu'elle eut obtenu la pierre occulte, oui. Zelda prit une décision aux lourdes conséquences dans un lointain passé. Une décision qui concerne l'épée que tu portes. L'épée de légende. Et je souhaite te révéler ce qu'elle était. Il y a fort longtemps, les Sonao, descendants des dieux et détenteurs d'une immense sagesse, descendirent sur la terre. Ils apportaient avec eux les pierres occultes, déjà méritées des dieux, capables de démultiplier les pouvoirs de leurs porteurs. Mon jeune frère, Raoru, guida le peuple dans le respect des préceptes Sonao. Il rencontra Sonia, une jeune femme de la surface à qui il s'unit. Raoru offrit une pierre occulte à Sonia, et ensemble, ils fondèrent un royaume sur Terre. Le roi Raoru et la reine Sonia donnèrent à leur royaume le nom d'Hyrule. Aidés de leurs dévoués sujets, ils posèrent les fondations de la prospérité. Jusqu'au jour où la tragédie frappa. Un être maléfique arriva du désert. Ganondorf, le chef des Gerudo, prit la vie de Sonia et lui déroba sa pierre occulte. Grâce au pouvoir de la pierre occulte, Ganondorf se métamorphosa en roi démon. Il donna naissance à des hordes de monstres et lança un assaut sur le monde. Le royaume d'Hyrule combattit de toutes ses forces les monstres qui l'assaillaient, mais se retrouva vite submergé par les forces du mal.
Pour sortir de cette situation désespérée, Raoru mit au point une stratégie. Il confia des pierres occultes à de puissants guerriers qui devinrent des sages. Et ensemble, ils tentèrent de terrasser le roi démon. En supériorité numérique, Raoru et les sages avaient tous les atouts pour triompher. Mais... le pouvoir du roi démon avait grandi à un point qui défiait l'imagination. Je fus terrassé par ces violents assauts. Nous n'avions plus aucune chance de remporter la victoire. Mais Raoru n'en avait pas terminé. Il résolut d'employer son dernier recours. Bientôt bon, je pense. Raoru, fais tes prières. Ton arrogance causera ta perte, Ganondorf. Je n'aurai pas d'échappatoire. Votre Majesté! Tu m'élances s'écoule en un battement de cils pour moi. Ça ne changera rien du tout. Tu te trompes. Dans un avenir lointain, celui qui mettra fin à tes jours se présentera. Le chevalier à la lame purificatrice, Link. Retiens ce nom. Retiens-le bien. Link. Et cette tragédie que l'on nomme la guerre du sceau. Nous sommes tout juste parvenus à sceller le roi démon, mais je fus gravement blessé, et j'étais condamné à perdre mon enveloppe corporelle sous peu. Bien. C'est à ce moment-là que Zelda me rendit visite, une épée corrodée à la main. Oui, l'épée de légende qui a disparu de tes mains quand tu es entré dans le temple du temps. À traverser les âges pour rejoindre Zelda. Et maintenant que tu l'as récupéré à nouveau... Cette épée a donc suivi le même chemin que toi. Elle a remonté le temps jusqu'à nous. Oui. À l'époque d'où je viens, je l'ai vue de mes propres yeux. La lame s'est brisée, c'est vrai. Mais même ainsi détruite, elle a pu infliger une blessure au roi démon. Elle l'a blessée, tu dis ? Alors que nos pouvoirs combinés n'y ont pas suffi. Dis-moi, quelle est ton idée? Que comptes-tu faire avec cette épée? En s'abreuvant continuellement de pouvoirs sacrés, avec le temps,
L'épée de légende peut renaître plus puissante encore. Je dois l'admettre. S'il est possible de la restaurer et de la renforcer, elle pourrait devenir un atout de taille contre le roi démon. Toutefois, pour qu'elle accumule une puissance capable de rivaliser avec celle de l'ennemi, un apport de pouvoir ponctuel ne suffira pas. Je ne vois pas comment contourner ce problème. Il faudrait l'inonder de pouvoir pendant des siècles, voire des millénaires. Il existe un moyen. Tu n'y penses pas ? Si. Le rituel draconique, c'est la clé. Je t'ai mise en garde. C'est un rituel interdit. Tu devrais renoncer à ton humanité. Et malgré cela, tu veux toujours... Dame Nero. Tu ne seras plus jamais humaine, tu le sais. Dès que j'ai eu l'épée entre les mains, tout est devenu limpide. C'est pour elle, pour cette épée, que je suis remontée à travers le temps. C'est ma mission. Je dois rendre ses forces à l'épée de légende et la rapporter à Link. Comme tu voudras. Ta décision semble irrévocable. On peut dire ce qu'on voudra, mais c'est bien l'arrogance des Sonao qui a causé ce drame. Alors moi aussi, je consacrerai le reste de ma vie à ce héros dont tu parles. J'ai foi en ton ami Link, et je le soutiendrai de mon mieux. Si mon corps ne résiste pas jusque-là, je serai avec vous par l'esprit. Ensuite, Zelda et moi avons discuté de notre plan. Nous avons fait les préparatifs nécessaires pour te guider dans le lointain futur où tu te trouvais. Bien. Avant que le mal causé par les miasmes n'ait eu raison de moi, je devins un esprit et entrai dans la tablette Pruya. Zelda, quant à elle, effectua un rite interdit. Elle était persuadée qu'armée de l'épée de légende, tu parviendrais à vaincre le roi démon et à ramener la paix en Hyrule. Tu as déjà récupéré l'espoir que Zelda nous avait laissé, la lame purificatrice, l'épée de légende. Bien. Hâte-toi, Link. Avec l'épée de l'espoir que nous a laissé Zelda, nous vaincrons Ganondorf, le roi démon. J'en suis certaine. Serment de Mineru, sage de l'esprit. Ce témoignage du serment prêté par Mineru, le sage de l'esprit, vous permet d'invoquer ou de faire disparaître le golem qui héberge son esprit. Sur les traces de l'épée de légende, bah ça je l'ai fait aussi. Et bah oui. J'ai un peu brûlé les étapes. Et là, faudrait que je refasse mon compte rendu à Pruya, mais on le fera dans le prochain épisode, je pense. Et ça, on n'a pas plus d'infos. Link, tu possèdes déjà l'épée de légende. En ce moment même, le roi démon est certainement quelque part en train de faire grandir son pouvoir. Tu brandis à présent l'épée de l'espoir que Zelda t'avait laissée. L'heure du combat final approche à grands pas. Nous unirons nos forces afin d'éradiquer Ganondorf, le roi démon. Je vais rester ici afin que ce golem soit en parfait état pour le combat final. Un lien existe déjà entre nous. Si jamais tu as besoin de mes forces, appelle-moi. Mineru, sœur aînée de Rauru, le propriétaire du bras droit qui a remplacé celui de Link. Du temps de la légende, elle a combattu le roi démon aux côtés de son frère en tant que sage de l'esprit. Mortellement blessée, elle a réfugié son âme dans la tablette Pruya,
ce qui lui a permis de survivre jusqu'à ce jour. Le fait qu'une pierre occulte Sonao ait permis la naissance du roi démon la désole tant qu'elle a promis à Zelda de le terrasser à son réveil. Eh bien écoutez... Oh! Sur ordre de Dame Mineru, je parcours les profondeurs de la terre à la recherche de matériaux à extraire. J'ai été contraint de rester longuement caché lorsque le sbire du roi démon a envahi le temple de l'esprit. Mais grâce à toi, j'ai pu reprendre ma tâche et je t'en remercie du fond du cœur. Laisse-moi te donner en guise de remerciement ceci. J'ai trouvé ça dans les profondeurs de la terre. L'âme ancestrale. Cette lame antique en forme de dague peut désintégrer un ennemi. Trop petite pour être maniée comme une arme à part entière, elle est stoïdisée en pointe de flèche. Je te l'ai déjà dit, mais je recherche des matériaux pour Dame Mineru. Si tu as du sonium, je te saurais gré de m'en donner. Tu recevras quelque chose en contrepartie, cela va sans dire. C'est bon à savoir, mais on va attendre un peu. Et lui, il me propose quoi? Je suis un golem forgeron. Dame Mineru m'a créé pour exploiter tout le potentiel de l'énergie Sonao. Je suis donc capable de fabriquer des armes et des objets à partir de sonium. Enfin, j'en ai pas eu l'occasion ces derniers temps, occupé que j'étais à me cacher du sbire du roi démon. Cette horrible créature avait envahi le temple de l'esprit. C'est grâce à toi et à Dame Mineru si je peux enfin reprendre mes activités. Accepte donc ma gratitude éternelle. Je travaille normalement exclusivement pour Dame Mineru, mais tu es un cas exceptionnel. Si tu m'apportes suffisamment de sonium, je suis prêt à te l'échanger contre des armes ou d'autres objets. Oh, c'est pas mal ça, parce que l'épée de sonium, je l'aime beaucoup. Écoutez, c'est très intéressant, on y retournera je pense avant le combat final. Mais là on va se laisser là pour cet épisode. Tu préfères le perso de Zelda dans BOTW ou TOTK? Bah j'ai pas encore fini TOTK donc je préfère finir le jeu avant d'avoir un avis définitif. Mais bah les deux sont cool en vrai. Bon. Eh bien écoutez, on va se laisser dans cet épisode. On n'ira pas directement voir Pruya parce que j'ai peur que ça enclenche la fin du jeu. Et j'ai envie de profiter un peu. Notamment en explorant les souterrains. Qu'on fera pas tout de suite parce que je préfère d'abord peut-être me rendre chez les Korogu avant ça. On explorera également le ciel. On fera peut-être les labyrinthes des dalles. On fera la quête de la Gazette des Bois. Peut-être que j'irai voir cette île-là, on verra. Et on explorera enfin les souterrains dans un long épisode. Et après tout ça, je pense qu'on pourra enfin aller voir Pruya pour clore ce long let's play. Et j'ai très hâte. En vrai, je suis très curieux, mais je vais me retenir. Je retiens mon plaisir, on va explorer au max et on s'arrêtera une fois qu'on aura fait le tour du jeu. Bref, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Zelda Tears of the Kingdom. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.